I got designer from head to my toe. I'm a designer, my bitch on the coat. I got DaVinci all over my coat. I'm on the... Yo l'équipe de Fry, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui la team va se retrouver pour une vidéo sur GTA 5 Online où tout simplement les gars, on va parler d'un petit sujet qui me tenait à cœur parce que c'est vraiment revenu beaucoup dans les commentaires et j'ai envie d'en parler avec vous. Vous savez bien que je fais de temps en temps quelques petites vidéos où tout simplement j'ai envie de savoir votre avis, d'un peu avoir votre avis sur la question. Donc voilà, donc là c'est vraiment une vidéo les gars où j'ai envie de que vous répondiez les commentaires à ce que je vais demander, etc. pour voir qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et je veux dire mon point de vue sur quelque chose, vous allez voir. Mais avant que la même commence, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est en route vers les 7000 abonnés, donc continuez à vous abonner, la team, ça ferait super plaisir. Et n'oubliez pas, bien évidemment, d'activer la cloche de notification pour rester actif. Il faut vraiment qu'on se crée une bonne communauté. Donc les gars, on va directement commencer. Donc la question du jour, ça va être, est-ce que Rockstar est en manque d'inspiration pour les prochains DLC? Est-ce que voilà, il a plus d'idées pour les prochains DLC? Et est-ce qu'on aura encore beaucoup de DLC? Beaucoup de questions qui se posent, les gars. Donc voilà, moi, je vais donner mon avis personnel. Et on va tenter d'y répondre. Je vais un peu dire mon avis. Et après, je réveille dans les commentaires, les gars. Vous me disiez un petit peu votre avis à vous. Donc, les gars, la question qui se pose, je l'ai beaucoup vu dans mes commentaires. Je l'ai beaucoup vu sur d'autres YouTubeurs qui me faisaient des vidéos sur ça. Et j'avais aussi un peu donné mon avis. Donc, est-ce que, les gars, bah, tout simplement, comme je viens de le dire, Rockstar n'a plus d'idées pour les DLC? Donc je pense que non, ça reste mon avis personnel les gars, je préfère bien le souligner, c'est mon avis personnel. Donc forcément il y a d'autres personnes, que ce soit mes abonnés ou non abonnés, qui penseront pas la même chose que moi, qui est tout à fait normal. On a chacun une opinion différente et c'est possible que voilà, vous pensiez pas la même chose que moi. Donc dites-le dans les commentaires, faites un commentaire constructif en me disant voilà pourquoi Rockstar a encore beaucoup d'idées ou justement Rockstar n'a plus du tout d'idées. Donc voilà, donc moi pour ma part je pense simplement que Rockstar a encore des idées. De toute façon un jeu n'est jamais fini les gars, on peut toujours faire plein de choses, surtout sur GTA. C'est pas comme si GTA était vraiment un thème précis comme FIFA ou quoi. Là GTA vraiment ça regroupe tout, que ce soit de la voiture, que ce soit des jeux d'armes, etc. Enfin il y a vraiment de tout sur GTA. Mais je pense que ça fait un peu plus de 4 ans que le jeu est sorti, environ 4 ans. Et c'est vrai que Rockstar a fait beaucoup de DLC et voilà il a épluché beaucoup de choses et je pense que à des moments ben voilà il y a quand même moins d'idées qui se font. Quand j'étais sorti, je pense que si on vous aurait dit qu'un jour il y aurait des véhicules volants comme la Deluxo, ou alors des véhicules qui vont dans l'eau comme la Stromberg, ou alors je sais pas moi des véhicules comme la Ruineur 2000 qui tire des missiles, etc. Je pense qu'on vous aurait dit un petit peu GTA c'est pas ça, t'es fou, c'est des voitures de sport, etc. Et là pourtant les gars on est à ce moment là où tout simplement il y a vraiment tous ces véhicules là. Warstock est rempli de véhicules cheatés. Et je pense qu'au début de GTA on n'aurait pas du tout pensé ça. Et c'est vrai que au final ça fait plus de 4 ans que le jeu est sorti. Il y a eu énormément de DLC, je ne saurais pas vous dire combien, mais il y a eu au moins je pense une trentaine, même plus. Et tout simplement on est au cas contraire où est-ce qu'il y aura encore beaucoup de DLC. Là je pense que tout le monde a remarqué que il y a de moins en moins de DLC, il y a de moins en moins de DLC qui sortent forcément. Il y en a avant celui qui vient de sortir, donc le GTA je sais plus quoi, il n'y en avait plus pendant au moins 2-3 mois. C'était le dernier en date, c'était le braquage de la fin du monde. Donc effectivement c'est des gros DLC les gars, le braquage je ne l'ai pas encore fait, mais je suis en train de le faire avec des potes et franchement il est bien. Mais c'est vrai qu'avant on était quand même plus habitué à avoir vraiment beaucoup de DLC, pas toutes les semaines quand même pas, mais pas 3 mois entre 3 mois des DLC, ça non, on n'était quand même pas habitué à ça. Maintenant voilà, je peux comprendre que Rockstar, Red Dead Redemption 2 aussi sorti. Donc forcément Rockstar n'a pas que GTA en tête. Red Dead Redemption 2 est sorti comme je le dis, donc ils ont dû s'occuper de Red Dead Redemption 2. Quand il est sorti, à mon avis, il y a eu quelques petits bugs qu'ils ont dû résoudre, etc. C'est pour ça qu'à un moment, je pense qu'il y a beaucoup de glitches qui sont restés actifs sur GTA, parce que voilà, ils n'avaient plus trop le temps de patcher tout ça. Et au moins il y avait une grosse vague de patch où tous les glitches étaient patchés avec le complexe, etc. Donc voilà, donc ça reste mon avis les gars. Franchement c'est un avis personnel que j'essaye de construire, mais dites-moi dans les commentaires. J'ai vraiment envie de faire une petite vidéo voilà comme ça, juste pour vous expliquer ça. Donc je pense que des DLC il y en aura encore, parce que de toute façon la créativité il y en aura toujours, surtout de la part de Rockstar. Je pense que des DLC il y en aura toujours, mais non forcément faut plus s'attendre à des DLC de fou malade comme des DLC de voitures volantes, etc. Puisque forcément on les a déjà les gars. Et voilà, donc je me demande un peu ce qu'il y aura dans les prochains DLC. Franchement je me le demande vraiment.
Maintenant, on verra. J'espère que c'est une grosse surprise de la part de Rockstar. Aussi, les gars, il y a un gros DLC qui se prépare, qui va sortir. Je sais pas quand, j'ai pas de date exacte. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un gros DLC qui va sortir, qui est en train d'être préparé. Parce que tout simplement, c'est Yann 22, je sais plus quoi, qui a bien dit, et lui dit énormément de choses vraies par rapport à GTA, qui a dit que gros DLC est en train de se préparer sur GTA. Donc j'espère que c'est vrai, j'espère que ça va un petit peu péter au niveau de GTA, j'espère que ça va vraiment être bien. Maintenant on verra la team, mais en tout cas moi mon avis les gars c'est que GTA n'est pas fini, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui Rockstar n'a plus d'idées, GTA est fini. Du tout, GTA ne sera jamais fini. Maintenant voilà, je pense qu'on doit quand même s'attendre à ce qu'il y ait moins pardon, de DLC qui sortent sur GTA, peut-être un peu moins constructif comme celui qu'on a sorti. Moi pour ma part, celui qui est sorti sur GTA me plaît pas énormément, je vais pas vous mentir, enfin, je vais pas dire qu'il me plaît, etc. Moi franchement il m'apporte pas du tout grand chose, à part certaines voitures qui sont stylées, à part ça, je trouve pas ça énorme, mais voilà, ça reste un DLC et c'est bien, donc voilà. Donc à part ça, en tout cas GTA ne sera jamais mort. Maintenant j'attends quand même GTA 6 avec impatience pour voir un petit peu ce qu'il y aura sur GTA 6. Et je me demande aussi, bah, est-ce que GTA 6 va démarrer vraiment depuis le début avec quelques petites voitures, ou il y aura déjà des voitures volantes, etc. Je sais pas, on verra. Pas de questions. Maintenant dites-moi dans les commentaires un peu ce que vous en pensez la team. Est-ce que Rockstar est à court d'idées? Est-ce que GTA est mort? Pour moi, non du tout. Maintenant voilà, j'ai envie de savoir votre avis. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires la team. Voilà les gars, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Si vous pensez que tout simplement GTA est fini et qu'il y aura beaucoup moins de DLC ou quasiment plus, ou alors est-ce que justement Rockstar a encore énormément d'idées et qu'il va encore sortir du lourd. Dites-moi dans les commentaires, c'était vraiment une vidéo comme d'habitude un peu détente pour un petit peu vous poser des questions, voir un petit peu ce que vous vous en pensez, ma communauté. Et voilà. Donc les gars, je ferai encore un concours samedi. Donc oui, je sais, j'enchaîne beaucoup les concours, mais vous tracassez pas, je préfère bien le souligner, les gars, je suis pas du tout une chaîne de concours, les gars, je ferai pas que ça sur ma chaîne. Pour ceux aussi jamais qui aimeraient, parce que je sais bien qu'il y en a énormément qui aiment bien, peut-être qu'il y en a qui aiment pas, c'est un peu bizarre, mais peut-être. Et bien vous tracassez pas que je ferai pas que ça, les gars. Après ce concours-là, je vais arrêter un petit peu pendant au moins 2 semaines. Donc voilà. Mais c'est là, j'ai encore l'occasion de faire un concours, je l'ai fait avec certains youtubeurs, donc j'ai encore l'occasion d'en faire un, les gars. Et j'ai pas envie de laisser passer cette chance de vous faire gagner un compte lobby, c'est encore un compte lobby, les gars. Donc voilà. Donc j'espère que vous comprendrez, en tout cas les gars, les vidéos vont encore s'enchaîner. Donc il y a encore celle-là, il y a encore les 3 mois pour devenir millionnaire qui vont sortir. Il y a encore d'autres vidéos, vous ne tracassez pas, il y en a encore plein qui sont prévues. En tout cas voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez surtout pas les gars à répondre dans les commentaires et dire ce que vous en pensez. Ça reste encore mon avis personnel. Et voilà, j'ai envie de savoir le vôtre. Donc moi sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. C'était Fries, allez bye tout le monde.